Salut à toutes et à tous, alors oui je sais je parle beaucoup de Sega en ce moment, oui je parle souvent de Shenmue mais il m'arrive aussi de parler d'autres choses sur ma chaîne, c'est ce que je ne vous propose pas aujourd'hui, je vais parler de Sega et de Shenmue. En 1999 le marché du jeu vidéo était bien différent d'aujourd'hui, la PlayStation dominait le marché, la PlayStation 2 allait bientôt sortir et GTA n'en était qu'à son deuxième opus. Les open world, les jeux sandbox étaient très rares, c'est alors que Sega va sortir Shenmue au Japon sur la Dreamcast. Le jeu offre un niveau de réalisme et de liberté jamais vu avant. Shenmue raconte l'histoire de Ryo Azuki, un jeune japonais dont le père se fait assassiner au tout début du jeu. On guide ainsi Ryo à travers Yokosuka au Japon, à la recherche de preuves. On discute avec les habitants, on parle à des personnages non jouables qui respectent un timing strict sur leur présence, on interagit avec de nombreux objets, on se bat et on apprend à se battre, et on cherche surtout qui a tué le père de Ryo. Le premier jeu finit sur un cliffhanger qui sera développé dans le deuxième opus, sorti en 2001, qui se passe cette fois à Hong Kong et un peu en Chine. Gameplay similaire mais univers encore plus vaste, la série Shenmue ne sera pas le succès commercial que Sega espérait et leur aura coûté des millions de dollars en développement, un des jeux les moins rentables de l'histoire. Et pourtant, Shenmue a été un déclencheur, une inspiration énorme pour les jeux qui allaient suivre. Les développeurs voyaient que l'on pouvait faire un jeu réaliste dans un monde ouvert, avec une histoire digne du cinéma. C'est ce que je vous propose donc aujourd'hui, après cette longue introduction, 10 jeux vidéo qui ont été influencés par la série Shenmue, ou plus simplement destinés aux fans de Shenmue, c'est parti! Numéro 10. On commence cette vidéo avec un jeu que je ne connaissais absolument pas, Wanchai Connection, un des titres de lancement de la Saturn au Japon en 1994. On y incarne Michael Lee, un policier de Hong Kong qui doit résoudre un meurtre. Les ressemblances avec Shenmue sont assez nombreuses, déjà l'enquête, on cherche des preuves, on explore, il y a une certaine liberté d'action dans un jeu beaucoup basé sur le texte, mais aussi avec des cinématiques en full motion. C'est un jeu d'aventure qui se déroule à Hong Kong comme dans Shenmue 2, et dans lequel une relation se forme avec Li Yan, qui n'est pas sans rappeler la relation entre Ryo Azuki et Nozomi dans Shenmue. Bref, les mécaniques du jeu et les visuels font assez vieillot, on est 5 ans avant Shenmue, et Wanchai Connection lui ressemble beaucoup. Alors, petit problème, si vous essayez le jeu, il va falloir apprendre le japonais. Il n'a jamais été traduit et n'est sorti qu'au Japon. Numéro 9. Souvent on considère que Shenmue a inspiré GTA 3 pour le côté monde ouvert et exploration, mais la ressemblance s'arrête là. Sleeping Dogs ressemble certes plus à GTA 3 qu'à Shenmue, mais j'ai voulu le rajouter dans ce top 10 car Sleeping Dogs se déroule à Hong Kong. On retrouve donc des environnements familiers beaucoup plus travaillés que dans Shenmue 2. Sleeping Dogs est plus sombre, plus violent, et n'est pas véritablement un jeu d'aventure, mais on peut explorer, parler à des PNJ et s'engager dans différentes missions. L'ambiance et l'immersion est vraiment bien retranscrite. Et si Yu Suzuki n'a pas d'idée pour Shenmue 3, eh bien il pourrait s'inspirer fortement de Sleeping Dogs, l'inspiré inspirateur. Numéro 8. Première similarité entre Shenmue et Heavy Rain, c'est l'utilisation des QTE, les Quick Time Event, mettant en avant des choix moraux. Le jeu implique le joueur dans différentes actions, des choses banales à des choix cruciaux, et ça fonctionne très bien. David Cage et son studio Quantic Dreams savent très bien raconter des histoires captivantes dans un style cinématographique. Soucieux des détails, richesse de l'intrigue, relation étroite entre le joueur et le personnage principal, comme dans Shenmue avec Ryo Azuki, on est entre le jeu vidéo et le cinéma, ce que Shenmue avait essayé d'accomplir avant. Sega et Yu Suzuki avaient d'ailleurs sorti un film en 2001, Shenmue The Movie, en reprenant les cinématiques de Shenmue, en retravaillant les images et le son, mais le succès n'avait pas été au rendez-vous, un peu comme le jeu donc. Numéro 7. Shenmue n'a pas inspiré The Last Express, car ce dernier est sorti en 1997. Premier point commun, le coût de développement très élevé pour l'époque. The Last Express a été créé par Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia. Il s'agit d'un point and click d'aventure, avec des éléments de film interactif utilisant la rotoscopie pour l'animation, c'est-à-dire que ça transforme des séquences filmées en dessins animés. Se déroulant dans l'Orient Express juste avant la Première Guerre mondiale, la réalisation est très travaillée avec beaucoup de détails dans les décors, dans la vie, dans le train, les personnages et dans le scénario, 600 pages de script et 34 fins alternatives, rien que ça. Riche en émotions et graphiquement très bon, The Last Express reste assez unique en son genre, tellement novateur, un travail titanesque pour le concevoir. Numéro 6.
Autre jeu ambitieux, Mizurna Falls, sorti en 1998 uniquement au Japon. Chaque personnage a une routine quotidienne, on doit résoudre des énigmes à un moment précis en suivant un calendrier. On explore une ville du Colorado en prenant contrôle de Matthew dans un open world où la liberté de mouvement et d'exploration est importante, avec cycle jour et nuit, conduite d'une coccinelle. Mizurna Falls a même été porté sur la PlayStation, ce qui montrait réellement les capacités de la machine de Sony, mais petit problème encore une fois, le jeu n'est dispo qu'en japonais, et autant avec Wanchai Connection on peut arriver à s'en sortir, mais là Mizurna Falls est plus compliqué à comprendre. Non mais c'est quoi ce top 10 avec des jeux japonais? Bah ouais les gars, mais il va falloir s'y mettre un petit peu à apprendre le japonais. Hein. En même temps, Shenmue est très inspiré de la culture japonaise et chinoise, c'est un peu normal qu'on retrouve des jeux typés japonais. Sinon rien à voir, mais le studio Human Entertainment qui a développé Mizurna Falls est aussi le créateur de la série Clock Tower, des survival horror qui eux sont en anglais, et oui il va falloir se mettre aussi à l'anglais. Numéro 5. Petite pépite de la Xbox 360, Deadly Premonition, jeu vidéo d'horreur psychologique en monde ouvert. On y incarne un agent du FBI enquêtant sur un meurtre dans une ambiance malsaine et très bizarre, rappelant beaucoup l'univers de David Lynch. On peut parler aux habitants locaux, dont les dialogues sont réussis avec beaucoup d'intelligence et parfois de l'humour. On cherche des indices dans un jeu mélangeant donc Shenmue et Resident Evil. Certes, les graphismes ne sont pas extraordinaires, les contrôles du jeu ont été pas mal critiqués. C'est pourquoi en 2013, un Deadly Premonition Director's Cut est sorti sur PS3 pour rectifier tout ça. Numéro 4. Alors j'en ai parlé il y a pas longtemps dans un dimanche rétro, Omicron de No Man's Soul. On retrouve Quantic Dreams et David Cage dans une aventure en monde ouvert très bien réalisée. Certains affirment que The No Man's Soul est un Shenmue plus sombre et futuriste. Les gameplays se ressemblent un peu entre exploration, interaction avec des PNJ, le côté détective est assez similaire, ainsi que les compétences liées au côté baston. Le jeu sortira sur PC et sur Dreamcast. La version Dreamcast sera inférieure à cause des limitations techniques de la console, et le jeu devait être aussi porté sur la PlayStation mais sera annulé. En cause, la PlayStation ne pouvait pas gérer entièrement le jeu. Alors, c'est assez étonnant quand on voit que Mizurna Falls l'a fait 2 ans avant, et de qui se moque-t-on? Numéro 3. À la sortie de Shenmue, très peu de jeux utilisaient la vue à la troisième personne, l'heure était surtout au FPS et non au TPS. Alors il y en a eu bien sûr, des Resident Evil par exemple, mais quasiment aucun jeu d'aventure mis à part les point and click purs. La vue à la troisième personne a apporté un autre style d'immersion dans l'exploration, l'interactivité avec des objets, et le style TPS est ensuite plus développé grâce à l'augmentation aux techniques des machines. C'est ce que propose Shadow of Destiny en 2001, il nous met dans la peau de Ike Kush qui se fait assassiner dès le début du jeu. Le voyage dans le temps va nous permettre de revenir en arrière pour changer notre destinée et éviter notre propre mort, le but étant de chercher ce qui a provoqué cet assassinat, et surtout notre meurtrier. Moins ambitieux que Shenmue, mais avec un scénario original, Shadow of Destiny peut tout à fait convenir aux fans de Shenmue. Numéro 2. Sorti dans une indifférence totale en France en 1999, The Longest Journey est pourtant un excellent jeu d'aventure en pointé et cliqué qui sera salué par la critique pour la qualité de ses dialogues, son scénario et son mode virtuel très immersif, n'oubliant pas sa direction artistique impressionnante avec des décors fantastiques, des environnements très soignés, avec de la couleur, du design, de beaux paysages et des lieux avec beaucoup d'imagination, n'oubliant pas le travail sur les personnages secondaires qui rendent le jeu unique. Le gameplay et l'exploration font pas mal penser à Shenmue, ce qui ne dépaysera pas les fans. D'ailleurs, en 2006, le studio sortira une suite, Dreamfall, et le créateur du jeu confirmera que Shenmue a été une forte inspiration, et ça se voit, il le montre vraiment. Numéro 1. Et on finit cette vidéo avec Yakuza et la série entière, que si vous êtes attaché à l'esprit de Shenmue, vous pourrez retrouver des similitudes avec Yakuza. D'abord, les jeux ont été réalisés par Sega, beaucoup de développeurs qui ont travaillé sur Shenmue ont aussi travaillé sur Yakuza. Certes, la série est plus populaire au Japon qu'en Occident et Shenmue offre une certaine retenue dans la violence, au contraire de Yakuza qui est plus direct sur cet aspect. Yakuza reprend des environnements communs, japonais bien sûr, avec exploration, interaction avec des objets, visite dans des salles d'arcade, dialogue avec des PNJ, obtenir des missions secondaires, une excellente carte postale du Japon contemporain, bien qu'un peu violent, les Yakuza c'est la mafia japonaise, donc ça rigole pas trop au niveau bourre-pif. Le gameplay n'est pas non plus extraordinaire, basé beaucoup sur le beat'em all, mais le jeu reste très dépaysant. Le dernier jeu de la série principale, Yakuza 5, est sorti en 2012, et de nombreux spin-offs viennent enrichir cette série, très inspirée de Shenmue sur de nombreux aspects.
Ainsi s'achève ce top 10, on a pu voir que Shenmue a beaucoup inspiré les développeurs de jeux vidéo depuis une quinzaine d'années, mais aussi que de nombreux titres ont dû inspirer Shenmue, puisque sorti avant 1999. Ce top 10 est surtout destiné aux fans de Shenmue qui veulent plus ou moins retrouver l'univers, le monde ouvert, le gameplay de Shenmue. Et alors que Shenmue 3 est actuellement en cours de développement, j'espère que Yu Suzuki regardera cette vidéo. Il n'a qu'à prendre les 10 jeux présentés aujourd'hui, de faire un mélange de tout ça pour nous sortir la future pépite vidéoludique. Merci à toutes et à tous de me suivre, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Un like, un partage sur les réseaux sociaux pour me soutenir, ou encore un commentaire pour me dire si un autre jeu que vous avez apprécié vous fait penser à Shenmue. A bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, ciao!